Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale 3 ans d'entrepreneuriat. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez peut-être déjà que j'ai une marque de patron de couture et à l'heure où je publie cette vidéo, cela fait 3 ans que j'ai ma marque de patron. Du coup, sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser donc sur ma marque, mais également sur mon parcours en tant qu'entrepreneuse. Je vais donc répondre à vos questions en vidéo, alors c'est parti. Quel est ton parcours? Quelle est ta formation? C'est la question que vous m'avez le plus posée. Alors, je vais vous faire un court résumé parce que j'avais déjà répondu à cette question dans une ancienne vidéo. Et j'avais également abordé ce point dans l'interview que j'avais donnée à Atelier Brunette dernièrement. Mais je vais vous faire un petit résumé. Alors, moi, à la base, je suis ingénieure en génie urbain et j'ai travaillé environ 7 ans en entreprise. Et j'avais vraiment envie de trouver du sens à mon métier, ce que je ne trouvais pas en tant que salariée. Et il se trouve que j'ai toujours été attirée par les loisirs créatifs, faire des choses de mes mains. Et j'ai découvert la couture, je crois que c'était durant la dernière année de mon salariat, enfin à peu près. Et du coup, j'ai pris quelques cours de couture dans une mercerie qui était à côté de mon travail. Et du coup, depuis que je me suis mise à cette activité, je n'ai jamais arrêté. Et un petit peu plus tard, j'ai eu l'idée de créer ma marque de patron de couture. Du coup, j'ai continué à me perfectionner toute seule en créant des choses à la maison et j'ai appris le modélisme dans des livres ainsi que sur Internet. Alors la solitude de l'entrepreneur, c'est l'une des choses les plus difficiles qui a été à gérer pendant ces 3 dernières années. Alors déjà, quand on monte sa boîte, il faut vraiment croire à son projet à fond parce que ce ne sont pas les autres qui vont le faire à notre place. Et j'avoue qu'en 3 ans, j'ai vraiment eu des périodes de mou, des périodes de remise en question et des périodes de doute. Donc tout ça n'a pas été facile à gérer. Ensuite, un point qui peut être très difficile à gérer, c'est la prise de décision. En fait, quand on monte sa boîte et qu'on est toute seule, il faut prendre absolument toutes les décisions, que ce soit des petites, moyennes et grandes décisions. Par exemple, c'est à moi de décider quel type de patron je vais sortir. C'est à moi de décider, de la couleur du design de mon site. C'est à moi de décider de la marque de papier que je vais utiliser dans mon imprimante. C'est à moi de trouver les sujets de vidéo qui vont potentiellement vous intéresser. Et donc du coup, c'est des prises de décisions qui se font sans arrêt, quotidiennement, et j'avoue que ça, au début, ça m'a pas mal déstabilisée. Et j'avoue aussi que des fois, ça m'a bloquée. En fait, il y avait tellement de possibilités que du coup, j'étais bloquée et que je n'arrivais pas à me décider. En 3 ans, quand même, je pense avoir fait des efforts là-dessus. Maintenant, j'ai appris à prendre des décisions plus vite, quitte à me tromper. Et j'ai également appris à écouter mon instinct, chose que je ne faisais pas forcément avant. Enfin, le dernier point que j'ai trouvé difficile à gérer concernant la solitude, c'est le fait de travailler toute seule à la maison. Le fait de ne plus avoir de vie, de bureau, d'avoir des collègues, comme je l'ai eu pendant plusieurs années en entreprise. Et donc ça, je dois dire que c'était très difficile. Mais il se trouve que depuis 1 an, j'ai maintenant un atelier partagé. Donc j'ai mon propre atelier qui est fermé, mais tous mes voisins, ils ont aussi leur atelier. Ils ont des activités qui sont souvent créatives. Et ce sont aussi des indépendants. Donc du coup, ça permet d'avoir une vie de bureau qui, je dois dire, me manquait beaucoup. Je dirais que c'est le fait de voir vos retours sur mes patrons de couture, sur mes contenus. Je trouve que c'est une très belle récompense de voir les créations que vous faites à partir de patrons que j'ai conçus. C'est aussi une très belle récompense de voir que je crée des contenus qui vont vous aider pendant vos moments couture. Et donc tout ça, ça donne énormément de sens à ce que je fais au quotidien. Et ça tombe bien, c'est ce que je recherchais dans mon métier. Je suis également très attachée à mon indépendance et pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, mon entreprise a aujourd'hui 3 ans, ce qui au final est très court pour la vie d'une entreprise. Donc aujourd'hui, je ne considère pas avoir établi mon entreprise de façon durable. Aujourd'hui, je suis encore sous le statut d'auto-entrepreneur et je travaille seule. Et je sais qu'à terme, je ne pourrais pas continuer avec ce rythme-là. À terme, j'aimerais bien travailler avec une équipe et ou avec des prestataires, je ne sais pas encore. Mais pour moi, mon mode de fonctionnement actuel n'est pas le mode de fonctionnement que je souhaite garder à terme.
Ensuite, j'ai encore beaucoup de progrès à faire d'un point de vue organisation. Moi, j'appartiens à la team dernier moment et donc ça, c'est vraiment pas top quand on gère une entreprise. Je trouve que durant ces 3 dernières années, j'ai manqué de régularité. Mais je dois dire que depuis le début de l'année 2022, je suis plutôt fière de mon organisation parce que j'ai réussi à être plutôt régulière, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram ou encore via ma newsletter. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Bref, pour quand même répondre à la question qui a été initialement posée, je peux quand même vous dire ce qui a été pour moi le plus dur à monter pendant ces 3 ans d'entrepreneuriat. Pour moi, la chose qui a été la plus dure et qui reste aussi la plus dure, c'est le fait de se faire connaître. Quand j'ai débuté, j'avais qu'une très petite communauté et bien que vous soyez de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, j'ai encore pas mal de progrès à faire. Alors oui, effectivement, je ne pensais pas que les études scientifiques pourraient m'aider dans une carrière artistique. Mais oui, en fait, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai après utilisé un logiciel qui a été initialement conçu pour des ingénieurs en mécanique, mais c'est un logiciel qui s'appelle AutoCAD, qui est beaucoup utilisé en ingénierie par les architectes, les ingénieurs. Nous, en école, on l'utilisait pour des projets construction, pour des projets d'urbanisme. Et moi, aujourd'hui, je l'utilise pour faire les illustrations de mes guides de patrons de couture et également pour faire la mise en page de mes planches de patrons. Alors je dirais que c'est l'une des expériences les plus riches que j'ai vécues. Alors déjà, j'ai appris pas mal de choses d'un point de vue technique. Donc j'ai appris pas mal de choses en couture, en modélisme, en photo, en vidéo, en graphisme, en marketing. Donc ça a été vraiment une superbe découverte pendant ces 3 dernières années et beaucoup d'auto-formation, chose que j'adore. Donc ça, ça n'a pas été un problème d'aller fouiner pour trouver l'information. Et ensuite, d'un point de vue personnel, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir grandi intérieurement. Par exemple, sur le fait de sortir de sa zone de confort, si à 5 ans on m'avait dit que je ferais des vidéos sur YouTube, j'y aurais pas cru, parce que moi je suis pas du tout à l'aise derrière une caméra, comme la plupart des gens, c'est pas très naturel, je trouve, de parler devant une caméra et de poster une vidéo qui sera potentiellement vue par des milliers de personnes. Donc je dois dire que on me l'aurait dit il y a 5 ans, j'y aurais pas cru, et là maintenant je suis ici aujourd'hui devant vous à vous parler de mon parcours. Donc voilà, je trouve que ces 3 dernières années m'ont permis de sortir de ma zone de confort. Les vidéos YouTube, c'est juste un exemple. Ensuite, ça m'a aussi permis de mieux prioriser ma vie. En fait, quand on monte sa boîte, comme vous vous en doutez, ça demande énormément d'énergie et très vite, moi, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire. Du coup, maintenant, ce que je fais, j'ai tendance à dégager du temps que pour les situations, que pour les relations qui me font plaisir, et j'essaye d'éloigner au maximum les situations ou les relations qui sont toxiques ou qui ne m'apportent pas grand-chose. Enfin, le troisième point d'un point de vue personnel qui a été hyper important pour moi, je pense, c'est la gestion des émotions. Parce que des émotions, il y en a beaucoup dans ce travail. Je trouve qu'il y a beaucoup de hauts et de bas. Par exemple, on a la pression des réseaux sociaux. En tout cas, moi je l'ai. Je dis on, mais moi je l'ai. J'ai aussi, par exemple, la peur de ne pas gagner assez le mois prochain, puisque quand on a été salarié, je trouve que ça fait toujours bizarre de se dire « Ok, j'ai un mois qui se passe plutôt bien, le prochain mois se passe pas si bien que le mois précédent. » Bref, on a des revenus qui sont irréguliers et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Ou encore, je peux être vachement stressée par le fait de ne pas savoir si tel ou tel produit va plaire ou va pas plaire. Donc bref, c'est un peu les montagnes russes au niveau des émotions. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, et donc du coup, c'est pas forcément facile à gérer au quotidien. Mais je pense avoir fait beaucoup de progrès là-dessus en 3 ans, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Pour la petite anecdote, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la méditation. Et aujourd'hui, je médite tous les jours après le petit déjeuner. Enfin, vous m'avez demandé si j'avais un regret au bout de ces 3 dernières années. Oui, j'ai effectivement un regret. C'est le regret de ne pas avoir tenté l'aventure couturesque plus tôt. Au début de ma création d'entreprise, j'ai bénéficié du chômage, ce qui m'a permis d'être à 100% sur mon activité dès le début.
Aujourd'hui, je vis exclusivement de la couture et cela depuis l'été dernier. Donc, comme vous vous en doutez, c'est vraiment une très grande fierté pour moi. Et je dois dire que c'est aussi une situation qui est plutôt étrange, puisque quand on a vécu en tant que salarié pendant plusieurs années, c'est assez, je dirais, étrange de se dire bah ça y est, je suis autonome, je me finance toute seule. Et au final, bah c'est grisant. Je trouve l'inspiration principalement sur Pinterest, c'est un réseau social que j'adore parce qu'il y a vraiment énormément de visuels et c'est aussi un réseau qui me permet de bien classer toutes mes inspirations en fonction des styles, des envies ou des projets. J'aime également beaucoup regarder les femmes dans la rue pour voir comment est-ce qu'elles sont habillées, ça m'inspire également beaucoup. Je dois dire que le pantalon n'est pas la pièce qui m'inspire le plus parce que j'en porte très peu. Moi, je porte principalement des leggings et pour tout vous dire, je porte les leggings de la marque Uniqlo. Alors, je sais pas si vous connaissez, ce sont des leggings qui ressemblent à des pantalons. En fait, on a une braguette, mais en fait, c'est une fausse braguette. C'est vraiment en fait un legging imitation pantalon qui s'enfile comme un legging et qui est confortable comme un legging. Mais je sais que quand même, le pantalon, c'est une pièce qui manque un peu dans ma gamme de patron. Et du coup, j'ai pour idée de sortir un modèle, enfin je l'espère, qui sera plutôt adapté à cet été, et un deuxième modèle que je pense sortir d'ici le début de l'hiver 2022. Alors, il n'y a pas de pièces ou de vêtements que je préfère le plus coudre. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est de coudre des tissus colorés. Donc, comme par exemple celui-là, on a vraiment énormément de couleurs. Et moi, manipuler, toucher autant de couleurs, moi, c'est quelque chose qui me met en joie. Je trouve que dans le prêt-à-porter, on a souvent des couleurs qui sont plutôt basiques et qui sont plutôt mainstream. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la couture, c'est toutes les possibilités qu'il y a au niveau des matières et notamment oser des tissus qui sont colorés et qui sortent du lot. Sans hésitation, c'est mon dernier patron. Il s'agit de la chemise Saxa. Alors, il faut savoir qu'en 3 ans, je n'avais jamais proposé de basique dans mes patrons de couture. Donc, je me suis mis beaucoup d'exigences pour ce modèle. Alors déjà, moi, je voulais avoir quelque chose de confortable parce que je me dis quand même, pour un basique, c'est la moindre des choses. Par exemple, je voulais avoir beaucoup de confort au niveau des manches sans pour autant avoir une chemise qui soit trop ample. Du coup, j'ai fait énormément de toile par rapport à cet aspect-là. Et du coup, à chaque fois que je testais une toile, je m'amusais à lever les bras comme ça. Du coup, je ressemblais à un oiseau à chaque fois que je testais les toiles de cette chemise parce que c'était vraiment important pour moi d'avoir du confort à ce niveau-là. Ensuite, je me suis pas mal pris la tête au niveau des variations parce qu'en fait, je voulais avoir une chemise qui soit originale, mais je voulais aussi vraiment rester dans le basique de chemise. J'avais pas envie de proposer trop de variations qui dénaturent un peu ce basique. Du coup, j'ai fait plein de tests, par exemple au niveau du col, au niveau des poignets. Et au final, j'ai choisi les variations qui me paraissaient être les plus adaptées et qui dénaturaient pas trop la chemise. Donc, je suis partie sur un col large au niveau des variations du col et sur un dos plissé. Et pour finir, ce patron, il m'a pris tellement de temps que je vous avoue qu'à la fin, j'en pouvais plus. Entre tous les essais de toile, de variation, les essais de confort, et ensuite les versions que j'ai dû coudre avec les tissus finaux, parce qu'au final, une chemise, c'est assez long à coudre. Donc je dois vous dire qu'à la fin, j'en pouvais plus de coudre des chemises. Mais tout ça a été vite contrebalancé quand j'ai vu l'accueil que vous avez réservé à ce patron. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de l'ensemble des questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo puisque c'est pas le type de vidéo détente que je fais d'habitude. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien, pour vos gentils mots, pour vos encouragements, pour le fait que vous achetez mes patrons et que vous partagez aussi vos réalisations, pour le fait aussi d'avoir vos retours sur les contenus que je fais. C'est vraiment très très important pour moi. C'est aussi énormément, je dirais, de
de bonheur en barre, puisque des fois on en a besoin durant les moments de mou. Donc merci d'être là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.